Messieurs les représentants et cadres des différents ministères, ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Culture et ministère du Tourisme et de l'Artisanat, messieurs les représentants et les membres des instances de l'ordre, locales et nationales, messieurs les membres de l'Association nationale des architectes enseignants universitaires, l'ANO, consoeurs et confrères architectes, les représentants de la presse, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partant de la définition de l'architecture en tant qu'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir, et en tant qu'émanation et traduction d'une culture, et partant du fait que la qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public. Partant de ces principes-là, et dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi, l'Ordre des architectes vise, à travers l'organisation de ce genre d'événements et de manifestations scientifiques et culturelles, technique et même de vulgarisation tout court, il vise à travers l'organisation de ce type d'événement à consolider sa coopération avec les différents secteurs et domaines et à promouvoir la profession d'architecte et l'architecte lui-même afin de lui permettre d'occuper sa véritable place d'auteur social épanoui et d'accomplir pleinement sa mission. L'organisation de ce genre d'événements et manifestations rentre aussi dans le cadre de notre stratégie, la stratégie du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui consiste à mettre en exergue les missions réelles des instances de l'Ordre, comme stipulé dans la 94-07, et à s'ouvrir vers les autres organismes nationaux et internationaux. Après l'organisation le mois passé, en collaboration avec la Fondation Medina, d'un séminaire international ayant pour thème l'architecture de la mosquée entre authenticité, normativité et créativité qui s'est déroulé à Blida avec la participation de plus de 200 architectes, consoeurs et confrères. Nous voici aujourd'hui à nouveau autour de cet événement. Cet événement qui est co-organisé avec l'Association nationale des enseignants architectes universitaires, ANO, qui, nous espérons, contribuera à atteindre l'objectif que l'Ordre s'est assigné. Par ailleurs, permettez-nous de saisir cette occasion pour informer l'assistance que l'Ordre des architectes, en contact avec les récents contacts avec les différents ministères à l'égard du ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Culture et ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et par le biais de ces instances locales et nationales, l'Ordre veillera sans relâche à apporter sa contribution et sa participation à la définition des programmes d'enseignement d'architecture. Il veillera aussi à la formation continue de l'architecte et à la diffusion de la culture architecturale par tous moyens et médias possibles. Pour revenir au présent événement, intitulé « L'œuvre de Fernand Pouillon en Algérie et l'identité architecturale », il est de notoriété publique que l'architecte Fernand Pouillon a réalisé en Algérie une production architecturale énorme, plus de 2 millions de mètres carrés bâtis. Cet événement ne vise pas uniquement à lui rendre hommage, qui au demeurant le mérite amplement, mais aussi à aborder les thématiques d'actualité, notamment les conditions actuelles d'exercice de la profession d'architecte, qui traverse une période malheureusement très critique, qui sera décisive sur l'avenir de notre profession. Il vise aussi à susciter sûrement un débat beaucoup plus large portant sur l'identité et l'authenticité d'une architecture algérienne. Sans plus tarder, et sans pour autant m'étaler sur le thème de cette journée d'étude, je souhaite à nouveau la bienvenue à tous les présents. Nous remercions Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
pour avoir parrainé cette journée. Et nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué à la préparation de cet événement. Et j'ouvre officiellement les travaux de cette journée d'étude. Merci, wassalamu alaikum wa rahmatullah. إذن افتتحنا الآن أشغال هذا اليوم الدراسي ويتفضل الآن السيد مباركي عبد الخالق رئيس الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم العالي في الهندسة المعمارية. التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها الجزائر، نرى أنه للمهندس المعماري دور هام ومحوري في إيجاد حلول، في إيجاد التوازن، ولكن هذه الحلول لابد أن تكون حلول حديثة علمية لتحديث العمارة في الجزائر. نحن نعيش في عالم يحكمه العلم والمعرفة، نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة مدربة وفعالة لديها قدرات لدعم المجتمع المدني والمنظمات الحكومية. من بين هذه الحلول الاقتصادية نرى أنه لابد من تثمين التراث المعماري المادي كوسيلة لتطوير الاقتصاد. ومن بين الحلول الاجتماعية لا بد من التفكير في إنشاء بناء أو حي أو مدينة أن يمكن للمواطن أن يعيش في تناغم وتكامل اجتماعي. ومن بين الحلول الثقافية لا بد للمهندس المعماري أيضا أخذ بعين الاعتبار الثقافات المحلية في البناء والمحافظة عليها. نحن كجمعية مهندسين معماريين وأساتذة جامعيين ارتأينا إلا أن نكون الحلقة الوصل بين العالم الجامعي الأكاديمي والعالم ممارسة مهنة المهندس المعماري. فلذلك كانت فكرة إنشاء الجمعية لديها عدة أهداف، من بين هذه الأهداف تعزيز الصداقة بين المهندسين المعماريين وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين الزملاء، تشجيع العمارة في الجزائر وحماية التراث المعماري والحضاري للمدن الجزائرية، خلق جسر وهذا أهم شيء بين الوسط الجامعي الأكاديمي والوسط المهني، الحرص على المردودية والنوعية للأستاذ المعماري الجامعي وذلك بواسطة الممارسة والتكوين، وكذلك تنظيم اجتماعات ومؤتمرات وندوات ثقافية. من بين المهام الكبرى للجمعية وهي المساهمة في تأملات حول المشاريع الوطنية الكبرى. لقد قمنا أيضا بإنشاء مجلتين علميتين في الهندسة المعمارية، ونحن نطمح بالتعاون مع المجلس الوطني لإنشاء مجلة ذات طابع مهني للمهندسين المعماريين الذين يزاولون النشاط. الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات في الهندسة المعمارية من الوصول إلى حلول مثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليا. ولهذا فقد قامت الجمعية برسم استراتيجيات، من بين الاستراتيجيات المساهمة في رفع مستوى التعليم في مجال الهندسة المعمارية في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف تحقيق توافق، وهذا أهم شيء، بين مخرجات الجامعة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. فلقد قمنا باجتماعات حول إعادة طرح برنامج جديد لتكوين المهندس المعماري يتطلب مع حاجيات سوق العمل، وذلك بمشاورة مع المجلس الوطني. فنحن في صدد إعداد برنامج دراسي جديد للمهندسين المعماريين اللاحقين. ثانيا، من بين الاستراتيجيات وهو تشجيع البحث وتطوير الابتكار والإبداع في كامل مجالات الهندسة. لقد قلنا سابقا أن الإبداع والابتكار لا بد أن يكون يتوافق مع العلوم، ولهذا فالجمعية ترى أن الحلول هي حلول علمية، فيجب أن نقدم حلول علمية للزملاء في الميدان. فكرة اليوم الدراسي تنم هذه الفكرة عن إشكالية الهوية المعمارية في الجزائر التي تبقى شائكة ومتشعبة، والتي تتطلب منا دراسات حول هذه الهوية وكيفية تصنيفها بطريقة علمية في عدة مناطق من الوطن وعبر عدة حقب زمنية وحضارية. ومن هنا ارتأينا إلا أن ندرس كبداية لهذا المشروع حالة المهندس المعماري فيرنر بويون الذي كان رائدا في فكره المعماري
عبر إنشاء نمط خاص به مستنبط من عمارة محلية مع الإجابة لخصائص وظيفية حالية، وذلك بإنشاء عدة مشاريع ذات طابع سكني سياحي وغيرها، أكثر من مليونين متر مربع من مساحات عمارية ذات عمارة في الوطن. دونك لا يمكننا إلا أن نصفها بالناجحة. إن المعماري فيرنر بويو جاء في وقت شهد تغيرات جذرية في الهندسة المعمارية وقطيعة مع العناصر التقليدية للعمارة لبوك مودرن. والمهم أن هذه القطيعة كان لابد له أن يجد حلول تتناسب مع العمارة المحلية، وبعد مدة استنتجنا أنه كان له منهاج استدامة ديفلوبمون ديرابل. أظن أنه حان الوقت لاستخراج دروس من مشاريعه المعمارية، هذه كأول خطوة في بحثنا المستمر عن الهوية الوطنية. نرحب ونجدد الترحيب بالحضور، ونحن اليوم نقدم خدماتنا كأساتذة كمعماريين في عدة تخصصات اليوم وغدا في إنجاح مشاريع ذات علاقة بين المجلس الوطني والأساتذة الجامعيين، والله الموفق وشكرا. والآن ننتقل إلى المداخلات التي سيديرها السيد عبد المؤمن يوسف نائب رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، يتفضل. مشكورا. Rapidement, monsieur, madame Maïsa Maashi Mouhim, pour présenter sa communication intitulée « Faire non plus en Algérie, un précurseur du développement durable ». Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de présenter l'œuvre de Pouillon en Algérie. Donc, juste, je vais développer donc les points suivants. La composition avec le site, la qualité des espaces urbains. Qu'est-ce que c'est que la méthode Pouillon ? Et on va parler, puisqu'aujourd'hui c'est aussi le thème de l'identité architecturale, donc on va parler de la diversité du langage architectural. Et enfin, un mot, à quoi sert l'architecture sinon à émouvoir, entre autres. Un petit mot pour le contexte de l'époque, c'est-à-dire que Pouillon a évolué, est arrivé dans les années 50. Donc il a été appelé, si vous voulez que je vous raconterai plus tard comment il est arrivé à Alger, mais ce n'est pas le but de la communication. Par contre, dans les années 50, il s'est passé beaucoup de choses à Alger. Donc Alger a été un laboratoire d'architecture. Vous avez ici le Sacré-Cœur en construction. Donc c'était déjà une prouesse architecturale qui était très intéressante. En matière d'habitat, il y avait le pont donc, qui se trouve aussi au Télémenis, et l'immeuble pont, l'aérohabitat lui-même, donc toujours dans le cadre des années 50. Mais dans les années 50 aussi, la colère gronde. Les Algériens sont beaucoup dans les bidonvilles parce qu'il y a eu des sécheresses et il y a eu des problèmes. Et puis, on est à la veille de la Révolution. Donc, il faut construire du logement social. Jacques Chevalier regardait ce qui se faisait. Il y avait Zerfus qui faisait sur la place du 1er mai des grandes barres, autrement dit des unités d'habitation ratées. Mais on a entendu parler de Pouillon à Marseille. Je reprends ici. À Marseille, il venait de faire le vieux port de Marseille. Il a fait la tourette avec un très beau moucharabier. Il a fait ensuite, il a travaillé aussi dans les années 50 en Iran. Donc, Chevalier a entendu parler de Pouillon. Il a fait revenir en Algérie pour travailler du logement social. Pourquoi ? Parce que la devise de Pouillon à l'époque, c'était construire vite, bien et à moindre prix. Il fallait donc relever le défi. Donc, il fait la commande de Diyar Sahada, 735 logements, Diyar El Mahsoul, que vous avez sur les yeux, et Climat France. En 5 ans, une prouesse architecturale de procurer 5000 logements. Et évidemment, Pouillon arrive donc à Alger et découvre Alger. Et qu'est-ce qu'il découvre à Alger ? C'est son site. Donc, quand on veut parler d'architecture durable, la première des choses, c'est de respecter le site, autrement dit le lieu. Et à travers cette image, on sent bien que le site, entre autres, c'est les vallons d'Alger, mais c'est surtout la baie d'Alger. Et donc, il ne l'a pas raté. Pouillon donc s'inscrit, ici, c'est Climat France que vous voyez, donc en photo et en plan. Et donc, Pouillon utilise
le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que dans les années 50, les gens étaient très corbusés, très béton, mais Pouillon, non, lui, il préfère s'enraciner avec les grands principes de l'histoire. Et quels sont-ils? C'est les principes de l'architecture vernaculaire. C'est s'installer, par exemple, ici, à Climat de France, qui est un énorme projet. Il s'inscrit parallèlement aux courbes de niveau. Puis, il utilise les perpendiculaires que vous voyez ici pour avoir donc les échappées visuelles sur la mer, parce qu'effectivement, il fallait ouvrir et créer donc des perspectives qui étaient chères à sa, en matière de composition. Puis il y a tout le travail de l'espace urbain, autrement dit, regardez ici les échappées pour avoir la Méditerranée, mais entre les bâtiments qui effectivement procurent que des logements qui sont assez petits, il faut le reconnaître, mais c'est du logement social, il y a tout un jeu, par exemple, de places et de placettes qui font que l'espace passe du public au privé dans une idée vraiment de la Méditerranée, avec l'idée des ombres, l'idée des vues, l'idée des petits espaces intimes, jusqu'à passer à l'espace public. Ça se traduit comme ça, c'est-à-dire que voici, là je vous propose le plan qui se trouve donc Diyar al-Mahsoul. À Diyar al-Mahsoul, nous avons confort et simple confort pour les autochtones à l'époque, mais côté confort, voilà ce qu'on trouve. Regardez entre les bâtiments, nous avons des fenêtres urbaines. Nous avons la fameuse porte de la mer à Diyar al-Mahsoul avec une percée visuelle. Nous avons d'autres passages urbains, des grands escaliers urbains qui se trouvent ici sur les plans masses, des grands portiques. Tout le vocabulaire pour faire un espace urbain ou des espaces urbains de qualité et méditerranéens. Voici donc d'autres exemples, toujours dans les cités, qui datent évidemment des années 50. Donc construire du logement social, certes avec des petites surfaces, mais construire avec des matériaux nobles, avec de la pierre. Et même comme ça, le coût, n'oubliez pas la devise de Pouillon, construire vite, bien et à moindre coût. Donc un rapport entre la pierre de taille, mais qui n'est pas toujours de taille, je vous expliquerai plus tard. Le travail aussi de la céramique. Donc vous imaginez le calpinage qui se trouve ici, chaque pierre à la limite était numérotée, donc vous gagnez un temps inestimable sur le chantier. Et je vous ai mis une petite image que quelqu'un vient de me donner, c'est-à-dire l'agence de Pouillon, comment elle était organisée. Il y avait les topographes, l'équipe des paysagistes, l'équipe des VRDistes, l'équipe de la plomberie électricité, chacun avait sa tâche. Tout était orchestré dans son agence. Et encore une fois, c'est une gagne de temps, donc gagner de l'argent. Rationalisation des chantiers. Donc je vous ai dit, les plans sont définis par rapport au nombre, à leur dimension, leur forme, leur place. Chaque bloc de pierre arrive depuis la France, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il venait déjà depuis Fontvieille, parce qu'il avait calculé son coût. Il avait un copain qui avait une carrière qui était en faillite. Il a vu que ça coûtait trop cher les matériaux donc sur place. Le copain lui a fait un prix pour, la pierre. Et il avait un autre copain qui envoyait de l'alpha en France et qui avait des bateaux qui revenaient à vide. Il s'est donc arrangé avec lui pour trouver le transport pas très cher. Et du coup, le prix de revient avec son organisation de chantier et d'agence revenait à un prix intéressant. Pouillon, c'est aussi le choix des matériaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des matériaux nobles comme la pierre, mais on oublie souvent que Pouillon a beaucoup travaillé la céramique. Et c'est ce que je voulais aussi mettre un petit peu en avant. Il a utilisé aussi la pierre de la Gouate, qui est très intéressante, pas coûteuse et très durable. Donc la brique que vous pouvez utiliser aussi en décoration, c'est assez intéressant. La brique de Nedroma, une brique artisanale, et bien sûr la pierre. Je vous montre ce petit chef-d'œuvre. Malheureusement, je n'ai pas osé vous mettre commencer aujourd'hui, parce que regardez l'appareillage de ces pierres, qui sont donc des pierres d'ici et donc pas chères. L'appareillage est tellement bien fait que ça donne une certaine œuvre d'art à la limite. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Tipaza, c'est le théâtre, et il est en... Je n'ai pas osé vous mettre la photo parce que les pierres commencent à tomber, tout simplement.
Pouillon a essayé de moderniser les systèmes constructifs. Il a inventé le plancher Pouillon, les cloisons porteuses sur briques, la voûte mince, la brique fourrée, la brique, la pierre banchée. Alors, un petit mot sur justement la pierre et Pouillon. Ce qui est formidable et c'est assez passionnant avec lui, c'est qu'il a ramené à la fois de la pierre de taille, mais aussi de la pierre banchée. Ça veut dire qu'il met une plaque de pierre d'un côté, une plaque de pierre au milieu et de l'autre côté. Et au milieu, vous avez soit un peu de béton, soit un peu de tout venant, soit du gros béton. Donc, c'est donc la pierre banchée. Il a fait la même chose dans le Sahara, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il a construit des hôtels. Et donc, il a utilisé le taupe banché. Donc, Pouillon invente à la fois sur des anciens systèmes constructifs. C'est ça qui est intéressant. Nous arrivons au chapitre du tourisme. Donc, il est revenu dans les années 60. Et il a décidé, bien sûr, vu la commande de l'époque, M. Mahoui, ministre de l'époque du tourisme, de réaliser le plus beau tourisme de la Méditerranée. Donc pour ce faire, il change un petit peu d'attitude. Il se prend pour un sculpteur et il développe deux concepts nouveaux. Le premier concept, c'est le concept du village de vacances. Contrairement à l'époque où il y avait le tourisme de masse, Pouillon propose le petit village de vacances qui ressemble à une petite ville méditerranéenne qu'on a vue tout à l'heure justement dans les cités. Et tout le travail est, comme il disait lui-même, je pense l'architecture pas comme un aviateur mais comme un piéton, et tout le travail, ici c'est la pinède donc de Tipaza, regardez le dessin du passage principal, cet accès n'est comme un petit peu le chemin des arbres, il n'est pas tout droit et pourtant il est assez rapide et il permet des offres, il offre des vues que vous allez voir un peu plus tard. Là, c'est pour montrer la diversité du langage de Pouillon. Donc là, il s'est un peu amusé avec l'architecture, il a tout essayé. En essayant de reprendre les principes des grands principes de l'architecture du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance en passant par le classicisme, dans les hôtels, il s'est dit « je vais changer d'attitude ». Il a eu une attitude beaucoup plus pittoresque et c'est pour ça qu'il s'est lancé le défi de travailler la courbe. C'est donc l'hôtel de Seraïdi à Annaba. Il y a deux façades, vous allez voir que les façades sont complètement différentes. Et cet hôtel-là, c'est celui de la Marsa Sidi Fretch qui est actuellement en rénovation et qui pose un certain problème. Je vous présente aussi quelques extraits de ma thèse. Donc, pris à toujours Tipaza avec les fameuses portes pour faire l'entrée à Tipaza Matares. Et donc, il a imaginé encore une fois comme un labyrinthe et un bazar d'Asie. Et donc, tout ici, ce sont les boutiques et le fameux marché. Et puis après, vous avez tout le reste qui est donc fait en petites villas superposées et bien sûr dans un effet pyramidal. On avait vu dans l'architecture domestique, autrement dit l'habitat, comment Pouillon, voulant travailler le lieu, s'intègre au site. Donc, je voulais vous présenter cet hôtel qui m'est très cher, donc qui se trouve à Seraïdi. Et voilà ce que Pouillon propose. Quand on parle de durabilité, on parle d'implantation au site et de respecter le site. Donc cet hôtel-là a, comme on avait vu aussi pour l'habitat, des vues extraordinaires. Et tout à l'heure, je vous ai montré une façade côté entrée et celle-ci, c'est côté chêne-liège, côté mer et côté piscine suspendue. C'est l'hôtel de Seraïdi qui se trouve donc dans la wilaya de Annaba. Tous les espaces urbains, comme dans l'habitat, on les retrouve aussi dans les villages de vacances, c'est-à-dire tout ce qui est la déambulation. Vous avez la possibilité de vous balader à l'ombre des voûtes d'arêtes, vous avez d'autres passages urbains et vous avez les fameuses perspectives et échappées visuelles entre le bâti et les bungalows, puisque là nous sommes dans le programme touristique. Pouillon veut émouvoir les utilisateurs ou les habitants. Même si la chambre est petite, on vous propose donc ici, comme on a vu tout à l'heure, les fameuses échappées ou les perspectives. Il y a aussi la possibilité de mettre de la végétation pour l'odeur. Donc les cinq sens, premier sens la vue, deuxième sens l'odorat, troisième sens le toucher, les cinq sens sont répertoriés à la fois dans son architecture domestique et dans son architecture hôtelière.
Dans les hôtels, il y a les hôtels balnéaires et il y a aussi les hôtels du sud. Le deuxième concept, c'est les caravanserais. Les caravanserais étaient des petits hôtels qu'ils avaient mis donc en chaîne pour traverser d'aller dans Tunisie au Maroc en passant par l'Algérie. C'était l'opportunité de faire des haltes. Donc les hôtels n'ont pas coûté cher et ils ont été donc répartis suivant, il y en avait 7 de caravanserais. Donc El Oued, Tougourt, Rardaya, Ain Safra, etc. Donc voici une photo qui se trouve, donc c'est l'hôtel Mekter à Ain Safra. Et là, Pouillon joue le metteur en scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pouillon travaille comme au cinéma. On avait parlé tout à l'heure de la promenade architecturale. C'est Le Corbusier qui a théorisé, mais c'est d'autres personnes, des théoriciens du 19e siècle, qui ont parlé de la promenade architecturale avant Le Corbusier. Et Le Corbusier l'a théorisé et Pouillon l'a appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous baladez dans les hôtels ou dans l'habitat, vous avez différents plans de vue. Ici, le premier plan, c'est la piscine. Le deuxième plan, c'est donc un passage. Le troisième plan, c'est encore la céramique. Derrière, vous avez la végétation, dont l'idée de paysage, d'architecture paysagère. Et derrière, vous avez la fameuse dune. Et tout ça participe à la qualité architecturale. Tout ça participe à l'identité architecturale. Ce n'est pas une architecture qui coûte forcément cher, c'est une architecture qui est bien pensée, parce qu'il connaît ses gammes, parce qu'il connaît sa composition. D'autres hôtels, donc celui-là est à Taman Rasset, c'est le Tahat de Taman Rasset, et celui-là je l'aime bien aussi parce que c'est à El Bousten et ça rappelle l'architecture soudanaise, avec tous les petits picotis qui sortent un petit peu comme à Timimoun. Une petite, pour vous présenter, pour dire que Pouillon a quand même travaillé de 65 à 84 les hôtels, une quarantaine d'hôtels à travers tout le territoire de l'Algérie, de Annaba à Oran, d'Alger à Taman Rasset. Donc vous avez ici un petit échantillonnage de tout ce qui pouvait être celui de Tougourt, celui le Gourara et le Tahat. L'idée dans ces hôtels-là, c'était comme dans l'habitat, c'est-à-dire créer des petits villages avec des forteresses, des enceintes, et puis retrouver tout ce qui est place, placette et déambulation. Le quatrième chapitre nous rejoint un petit peu l'idée donc de tout ce qui est ces influences. Et évidemment, Pouillon trouvait que l'Algérie était donc dans la Méditerranée, et lui était profondément méditerranéen, en sachant que la Méditerranée était le creuset de beaucoup de civilisations. Mais pour lui, la Méditerranée, ça va jusqu'en Perse, hein, il ne se gêne pas. Donc il est allé en Iran, je vous avais dit qu'il avait des projets en Iran. Et donc, par exemple, vous allez voir toutes les influences qui sont possibles dans son architecture. Donc une architecture multiculturelle, peut-être, parce qu'il avait un ego assez démesuré, peut-être pour faire une architecture universelle, point d'interrogation. Ça veut dire que pour, par exemple, l'habitat, ici vous avez les 200 colonnes qui rappellent le Maïden d'Ispahan. Voici le plan du Maïden d'Ispahan. Vous avez à Matarès les deux fameuses tours dont je vous avais parlé tout à l'heure. On peut imaginer, ce sont que des hypothèses, que ce sont Beb el Foutouh qui sont donc au Caire. Et comment j'ai eu cette intuition, c'est qu'une fois j'ai trouvé, Pouillon avait republié des livres rares. Je vous avais dit que c'était un féru de tout ce qui était traité d'architecture. Et donc il avait fait réédité avec sa propre maison d'édition qui s'appelait le Jardin de Flore et qui se trouvait à la place des Vosges à Paris. Il avait réédité les vieux ouvrages, dont Voyage pittoresque au sein d'Alger. Et on avait retrouvé pas mal de vieilles photos, dont les photos aussi qui avaient en rapport avec le Caire. Des petites références à la Casbah et qui sont à la fois formelles, mais pas que. Nous verrons comment il travaille les patios. Donc évidemment, l'exemple le plus connu, c'est celui de Sidi Fredj. Et ce qui est très intéressant dans cette, puisqu'on parle d'identité, vous verrez que toute la partie de Sidi Fredj, et c'est là le talent de Pouillon,
est écriture à la fois classique. Regardez cet ordonnancement qui est vraiment la caractéristique de l'architecture classique. C'est à la fois la verticalité des ouvertures, les rapports 1/2, la tripartite, c'est-à-dire le socle, le corps du bâtiment et l'attique qui est travaillé. Pour faire l'articulation, il a mis la tour des douanes et juste à côté, il a mis la casbah d'Alger. Donc, c'est ce qu'on appelle le quartier du corsaire. Et en ponctuation, donc une tour verticale. Mais à Sidi Fredj, il n'y a pas que l'architecture classique et l'architecture mauresque qui se côtoient. Il y a Venise. C'est ce que je dis dans ma thèse. Donc, je vous fais c'est pas la première fois que je fais un scoop, maintenant tout le monde le sait, tant mieux. C'est que j'ai mis en parallèle les procuraties de Venise, le campanile et le palais des doges. Vous retrouvez le palais des doges, les procuraties et le campanile qui est la tour des douanes. Et ce qui fait office de la place Saint-Marc, c'est la marina, c'est-à-dire le plan d'eau. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'il y avait des petits pouillons, c'est un petit peu aussi le Da Vinci Code. C'est-à-dire que quand vous vous baladez, c'est ce qui est passionnant, il y a toujours des petites étincelles qui vous font rappeler que vous êtes sur la bonne voie ou que vous délirez complètement. Donc là, effectivement, il y avait un petit pont vénitien. Donc je me suis dit, c'est pas tout à fait faux comme hypothèse. Donc c'est mon hypothèse. Maintenant, il y en a peut-être d'autres, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Les références, évidemment, quand on parle d'Alger et qu'on parle de Mauresque, c'est évidemment l'Andalousie. Donc l'Andalousie, vous la trouvez à la fois à l'hôtel Riyad, qui est partout. Donc là, c'est pour vous montrer que les plans sont vraiment différents. Mais où est l'ingéniosité de Pouillon? C'est que par petits morceaux, il a utilisé un petit bout de l'hôtel Rim dans l'hôtel Mehri à Ouargla. Il a utilisé un petit bout de l'hôtel, alors celui-là c'est l'Oasis à Tougourt, on le retrouve un petit peu dans un autre hôtel, et ainsi de suite. Donc chaque petit bout d'hôtel correspond à un bout d'hôtel d'un autre projet. Évidemment, en matière de typologie, il y a deux types de plans. Il y a un type à plan centré, c'est-à-dire à patio, qui est de différentes formes, comme celui-ci, le Gourara, c'est un patio en fer à cheval. Ici, ce sont des patios rectangulaires. Il y a des types linéaires. À ce moment-là, ce sont des couloirs et un alignement de chambres. Ça, c'était au niveau des plans, pour vous expliquer la diversité des plans. Et au niveau des façades, vous remarquerez que les façades sont aussi très variées, très riches, et avec une proposition typologique assez variée. Je vous ai pris comme exemple l'hôtel des Andalouses à Oran, et pour vous montrer aussi comment travaille Pouillon. Donc, si on doit décomposer cet espace, nous obtenons donc au niveau des plans. En redessinant, vous allez remarquer ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les murs sont chaque fois différents, les poteaux sont chaque fois différents et les patios aussi. Donc voici des galeries, voici des murs et voici des poteaux. Et voilà ce qu'on peut obtenir quand on fait tout le tableau. Typologie à la fois torsadée, les fameux poteaux assez imposants du sud, les petites, tout ça c'est au quartier du Corsaire. Nous avons une typologie au niveau des murs, alors murs ondulés, murs décalés, murs circulaires, murs courbes, aussi murs courbes. Et voici, on pourrait continuer la liste, ça c'est un petit extrait de ma recherche. Et pareil pour les galeries, un type de galerie en voûte croisée, un type de galerie en arcade simple, arcade orthogonale, etc. Donc voilà comment Pouillon travaille. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il prend un petit peu de vocabulaire et il met sur une syntaxe un mélange de vocabulaire pour obtenir dans le sud, tout cela ce sont des hôtels du sud, une diversité du langage. Et dans ceux du nord, les hôtels balnéaires, une autre diversité architecturale où on retrouve à la fois la composition classique ordonnancée et la composition pittoresque. Mais le fil conducteur étant l'harmonie, aujourd'hui on appelle ça la cohérence.
Je termine avec cette diapositive parce que je pense qu'elle, pour moi, elle représente tout à fait Pouillon, c'est-à-dire à la fois ce qu'on avait dit tout à l'heure. Composer, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler les matériaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les matériaux nobles, mais pas forcément. Ce sont des poteaux qui ont été reconstitués à base de tuf d'Alger. Et donc, il a trouvé un amalgame avec ses maçons. Et donc, il a recomposé des colonnes. Puis, la brique de Nedroma. Au niveau du vocabulaire syntaxique maintenant, il y a une double arcade. Et, comme on a dit tout à l'heure, donc, sublimer, travailler le site, c'est aussi sublimer le site. Ça veut dire que vous êtes dans votre chambre d'hôtel, ici c'est en l'occurrence l'hôtel Riyad, et vous avez cette vue. Donc, comme on avait vu tout à l'heure dans l'habitat, vous, votre petite chambre, votre appartement est tout petit, mais vous ouvrez la fenêtre, vous avez un jardin ou vous avez la mer Méditerranée. Donc c'est ça la composition. Je vous ai mis donc les mots-clés, sublimer le site, l'art de la mise en scène à travers, bien sûr, l'ancrage et la massivité et les perspectives et surtout l'expression des matériaux. Donc tout ça pour le mot que je vous avais dit en dernier chapitre, l'architecture sert bien sûr aux utilisateurs mais elle sert aussi à émouvoir. Je vous remercie. C'est un énorme architecte. Et il a un sens du territoire, un sens de la matière qui est absolument génial. Ce qui me pose problème, c'est la lecture qu'on en fait aujourd'hui. Je veux dire que pour lui, ce développement durable, ce n'est pas son problème. Lui, il y a la bonne architecture et il y a la mauvaise. Lui, il savait faire de la bonne. Non, mais ce qu'on a dit dans les exposés, c'est qu'il n'y a pas que simplement les matériaux, etc. Même sa manière de s'implanter dans le site, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ça la bonne architecture. Mais c'est de la durabilité aussi. Oui, mais... Compte tenu aujourd'hui du jargon autour de cette histoire de durabilité, ou alors on précise qu'est-ce que c'est que le durable, oui. Ou alors, parce que cette histoire de bien marceler est une construction durable, alors qu'on ramène de la pierre par bateau de France... Mais parce qu'elle coûte moins cher. Là, je te parle d'indice carbone, j'utilise le jargon de ceux qui défendent les matériaux durables. Mais justement, la durabilité, on peut l'avoir dans l'autre sens, je veux qu'on définisse les termes. La démarche quantitative en termes de logement en Algérie, c'est vrai que ça prime. Je pense que le souci des pouvoirs publics de répondre à un besoin. Et je me dis qu'à certains moments, le citoyen il est satisfait de son logement. Deuxième volet de la conférence, c'est-à-dire les chercheurs. Moi, je ne suis pas chercheur. Je suis juste un observateur, un peu curieux. Et comme je disais à Amélie tout à l'heure, je raconte des histoires. Alors, effectivement, l'œuvre de Pouillon est une œuvre majeure dans la carrière d'un architecte algérien. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de l'œuvre de Pouillon parce qu'elle obsède tout le monde. Elle en complexe pas mal. Et c'est un monsieur qui nous pose des problèmes tous les jours. Quand on a un sujet à traiter, il l'a déjà traité. Et donc, comment se placer par rapport au travail qu'il a fait? Donc, je vais dérouler. Ah, comment ça marche? Voilà. Ce qui m'intéresse, l'œuvre de Pouillon avant l'indépendance, à la limite, elle est documentée et elle est connue. On la redécouvre même dans son pays d'origine depuis une quinzaine d'années. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'œuvre de Pouillon en Algérie après l'indépendance. C'est-à-dire quand il intervient dans un contexte politique qui est différent. Et ce qui est intéressant chez Pouillon, pour reprendre un peu une expression de
de quand on était gamin, c'est-à-dire sur le Mukhadram. C'est-à-dire, alors est-ce qu'on peut dire Ben Jahiliya ou l'islam ou l'inverse? Mais en tous les cas, c'est un type à qui a vécu l'Algérie sous la domination française et qui a vécu les premiers jours de l'indépendance. Il y a de quoi devenir schizophrénique, je veux dire, quand on vous pose et la question et son contraire, et avoir la capacité d'y répondre, c'est assez phénoménal. Je ne pense pas que ça existe dans l'histoire de l'architecture, que des architectes et des pouvoirs politiques antagonistes et des destinées antagonistes et arriver en même temps à répondre en toute honnêteté pour le premier et avec, en toute honnêteté pour le second. Donc ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Pouillon, c'est essentiellement son travail dans le secteur du tourisme. C'est lui qui a inventé le secteur du tourisme en Algérie, c'est lui qui a fait presque le premier SNAT du tourisme en Algérie, qui a imaginé presque, dessiné la politique du tourisme en Algérie, et c'est cette œuvre-là qui est assez intéressante. Je ne connais pas, je n'ai pas de documentation sur tout, mais bon, j'ai remis quelques projets qui m'intéressaient. Bon, c'est des French, le Gourara, les Yanides, et voilà. Et ce matin, on disait que l'architecture, c'est quand même la rencontre de deux personnes. Pas de deux personnes, de deux personnalités, c'est différent. Pouillon a rencontré Chevalier, et c'est ce qui a donné Dial Mahsour, Dial Saada et tout le programme. Pouillon a rencontré Boundine. Et c'est assez curieux, quand on voit les photos qu'on a sur Internet, de voir directement se dessiner les deux personnalités. Entre quelqu'un de très sérieux, de très austère, qui est Houel et Boundine, et quelqu'un de franchement marrant, je veux dire. Fernand Pouillon, je pense que c'était un jouisseur, et c'était quelqu'un qui prenait les choses avec beaucoup de sérieux, sans trop y croire, quoi. Et j'imagine un peu la question qui lui a été posée. Dessine-moi une architecture algérienne. J'invente. Bien sûr que c'est pas Houali Boumdine qui a posé cette question. Mais le fond du problème était celui-là. Dessine-moi une architecture algérienne à quelqu'un pour qui l'Algérie existait depuis, je ne sais pas, 67, 68, donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec toute une espèce de profondeur, il fallait pas inventer, mais construire une histoire. Quand on sait que l'architecture, quand elle a ce rapport à l'histoire et au territoire, ça met des siècles pour se faire, comment officiellement, comment construire à partir de cette demande officielle une architecture algérienne? Et je pense que cette question est toujours posée, en fait. Alors, le thème du colloque, c'est identité architecturale avec un point d'interrogation. Et donc, j'essaie de développer un petit peu sur ma conférence. Un peu, je fais une petite visite de deux ou trois bâtiments de Pouillon. Et là, je risque de me répéter, parce que ce matin, Myriam a parlé de ça. Mais j'apporte mon regard à moi, architecte, sur la question. Et effectivement, si on doit se poser la question du référentiel de Pouillon, et tout le monde l'a dit, et c'est ça le plus important qu'il faut retenir, c'est une profonde connaissance de l'histoire des villes et de l'architecture. C'est-à-dire que le type, quand il devait régler un problème, il cherchait dans l'histoire et il avait déjà 25 réponses qui étaient déjà existantes. Et j'insiste sur ça, parce qu'en fait, le fondement du métier d'architecte, c'est pas d'inventer, mais c'est de se poser les bonnes questions et de trouver les réponses. Et souvent, les réponses existent dans l'histoire des villes et des hommes. C'est la capacité d'aller chercher la bonne piste de réponse et de l'adapter à des conjonctures, qu'elles soient politiques, sociales, économiques. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'inventions dans l'architecture de Pouillon. Il y a une capacité de composition et de mélange d'un certain nombre de connaissances profondes qu'il a de l'histoire de l'architecture, des villes et des hommes. Et effectivement, quand Boundine lui a posé la question « Dessine-moi une architecture algérienne » et qu'il arrive à ses défrages, Mélim en a parlé ce matin, mais je veux dire, c'est quand même assez éblouissant. Comment est-ce qu'il a pu vendre Venise comme étant un patrimoine national, je veux dire. Un type qui ne riait pas beaucoup, comme Boundine. Alors on a parlé ce matin, c'est-à-dire c'est une espèce de transposition de Venise remasterisée à la sauce de Sidi Farj.
est vendu officiellement comme étant un patrimoine national, comme étant faisant partie de cette identité architecturale. Et Venise fut nationalisée. C'est assez intéressant. Je ne pense pas que ce soit un fond en écriture, même si c'en est un. Mais je pense, et là je rejoins Meliem, dans cette idée que son ancrage était la Méditerranée. Et je suis même prêt à croire, pour ne pas léser la mémoire de Pouillon, que cet ancrage à la Méditerranée, il en a fait un sacerdoce. Je lui prête peut-être des intentions qu'il n'a pas eues. Mais je pense que dans sa tête, Alger faisait partie de la Méditerranée, et à la limite, qu'il soit à Alger, en Grèce, au sud de l'Italie ou au sud de la France, il considérait que c'était les territoires qui faisaient l'architecture. Et que finalement, le dessin politique qu'on peut apporter sur un territoire ne devait pas prendre le pas sur la logique des territoires. Et effectivement, en situation de relation directe avec un président de la République, un ministre du tourisme, il pouvait se permettre d'apporter des réponses de cette force. Je pense que s'il devait passer par un concours d'architecture organisé par une direction du tourisme de Wilaya, il ne serait pas arrivé. Et donc, l'idée que l'architecture naît aussi de la rencontre d'un maître d'ouvrage et d'un maître d'œuvre est une idée essentielle. Et on a eu la chance, ou la malchance, l'histoire le dira, que ce monsieur-là ait rencontré le pouvoir politique et que, qu'à ce moment-là, le pouvoir politique était autoritaire, intelligent et autoritaire. Donc je suppose que si on était dans un système démocratique, il n'aurait peut-être pas pu bosser. Comme quoi, il faut relativiser souvent sur l'histoire des villes et des hommes. Il y a des conjonctures politiques qui semblent inacceptables aujourd'hui, mais qui, dans des conditions particulières, température et de pression, créent ce genre de rencontres et donc arrivent à mettre en place ce genre de dispositif. Donc on a nationalisé Venise, ça y est, Venise algérienne. Je prends un autre projet à lui que j'adore, c'est l'hôtel Gourara. Et ce qui m'a impressionné dans cette affaire-là, c'est la forme du fer à cheval. Et cette forme-là du fer à cheval est une forme, je n'ai pas toutes les connaissances historiques, mais c'est une forme qui est assez récurrente dans l'histoire de l'architecture. J'ai essayé de chercher un peu, j'ai trouvé Bruno Todt qui avait dessiné un plan d'urbanisme qui est resté célèbre et qui explorait aussi cette forme de fer à cheval. Et puis bien avant, on avait les premières Olympiades, donc on voit la petite image en bas, qui explorait aussi cette forme-là. Et c'est là où je me dis, ce type-là, il avait une encyclopédie incroyable dans la tête. Et ce qu'il arrivait à faire, en fait, bon, il y a ça, bon, on retrouve la forme du fer à cheval un peu partout, c'est une forme qui est assez récurrente. Sur un autre projet, on est aussi dans d'autres dispositifs. Ça, c'est l'hôtel du Mzab. Et finalement, quand on regarde le plan, il est d'une force, je veux dire, d'une puissance. C'est véritablement une pièce urbaine, tout ce qu'il y a de plus moderne ou classique. Mais à ce niveau-là de la puissance, on pourrait même confondre le moderne et le classique, ce n'est pas un problème de style. Mais on sent que le projet, la chose est dessinée, c'est-à-dire « Ma'afirech Munakasha ». Par contre, quand on passe à la troisième dimension, il y a une espèce d'altération du plan, ce qui me pousse à dire parfois que c'est un faux en écriture, mais tout le monde sait que Pouillon était un faussaire génial. Cette espèce d'altérité qu'il y a dans le travail des élévations et des volumes, qui permet un petit peu d'atténuer la puissance du plan, ce qui semble insupportable pour les modernes, pour qui la façade est l'expression du plan, la coupe et la façade et le plan ne forment qu'un. Lui, il a tout de suite compris que des histoires comme ça ne réglaient pas tout et qu'à la limite, on pouvait avoir un plan très 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 puissant et habiller ce plan de manière pas pittoresque, c'est pas un mot que j'aime, mais ne pas avoir cette rigueur. Et
de pouvoir donner une impression de vernaculaire. Donc quand on a cette impression de vernaculaire, souvent on a l'impression que le plan est un plan organique qui donne cette impression vernaculaire. Mais finalement, pas dans tous les projets, mais sur un certain nombre de projets, nous avons des plans très puissants et une expression architecturale du fait de travailler sur un certain nombre de choses, les masses, les ouvertures, pas de symétrie. Il arrive à donner une impression de vernaculaire alors que les plans ne l'étaient pas. Donc c'est un type qui avait une profonde connaissance de l'architecture classique, c'est-à-dire le travail du plan, ça reste quand même un travail un petit peu des beaux-arts, quoi. Après, là où on s'y attend le moins, c'est quand on voit un peu ce qu'il a fait pour Annaba, et qu'on essaye de chercher la référence et qu'on croit savoir que c'est le mausolée de Sidi Ibrahim, la ressemblance est assez frappante. Mais en même temps, on voit la chapelle de Ronchamp de Corbusier qui s'est aussi inspirée de la mosquée, du mausolée de Sidi Ibrahim. Et après, on se rend compte que finalement, est-ce que l'architecture appartient à un territoire ou est-ce que la référence architecturale, comment est-ce qu'elle peut être interprétée par un Corbusier et par un Pouillon qui construisaient pratiquement au même moment? Je veux dire, même si Corbusier était né à la fin du siècle, il a très peu construit par rapport à Pouillon, et que finalement, dans les années 50-60, du moins, voilà. Comme quoi, le souci de la référence ne règle pas le problème, parce que nous avons la même référence interprétée par deux architectes différents, dans deux situations différentes, et le cheminement de la pensée des architectes ne doit pas être le même. Que j'avais cru comprendre, que j'ai compris quand j'ai lu cette page de Jean-Jacques Deluz, l'Arahmo, dans Le Tout et le Fragment, oui, il montre un peu sur les croquis de gauche, hein, donc, comment est-ce qu'on fabriquait de l'espace public dans un tissu médiéval ou un tissu 19e, c'est-à-dire en mettant des pleins et en creusant des vides, en leur donnant des formes et en leur donnant des articulations. Et comment est-ce que Pouillon peut fabriquer les mêmes espaces sans avoir à remplir? C'est-à-dire qu'il avait une capacité et un art du cadrage qui pouvait te faire croire que tu es dans une place avec un bâtiment et demi, qui pouvait te faire croire que tu es dans une perspective avec trois blocs et deux escaliers. Et c'est là où je rejoins Myriam quand elle dit qu'il avait cette espèce de capacité de scénographie. C'est-à-dire c'est comme s'il fabriquait des décors de film. Et quand on fabrique un décor de film, on n'a pas besoin de construire la maison derrière, on construit la façade, ou ce qu'il faut voir, ce qu'il doit rentrer dans la caméra du gars. Même pas tout. Si la prise de vue, elle prend ça, on ne va pas construire tout ça, on va construire cette partie-là. Et lui, il avait cette capacité de fonctionner par point de vue privilégié et de fabriquer des scénographies qui finissent par être urbaines, mais qui ne le sont pas au sens où on l'entend dans la ville du 19e. Et donc, il posait des éléments du paysage, il posait des densités là où il faut, il posait des vides là où il faut, et il nous embarquait dans une espèce d'histoire urbaine, mais avec des... sans avoir toute la pesanteur de la ville 19e. Et ce croquis-là qui m'avait un peu organisé, parce que souvent je lis après avoir fait, et donc j'arrive à mettre des mots après avoir fait et lu. Et donc, la première impression qu'on a eue sur ce terrain, qui va donc de la plaine à la mer, c'est qu'il fallait d'une part une carte postale sur la plaine, et d'autre part prendre la mer. Voilà. Mais le plus important, c'est ces quatre croquis-là. Ces quatre croquis-là, ça là on ne les voit pas très bien, mais il y a une espèce de matrice, par exemple sur la figure numéro 3, il y a des alignements. Il y a des alignements continus et stricts, et il y a des alignements qui sont en pointillés. Ça veut dire que les alignements qui sont en pointillés ne sont pas obligatoires. Sur la figure 4, par exemple, il y a quelques bâtiments singuliers. Est-ce qu'il y a une souris? Allez. Voilà. Moi, je les vois sur moi, mais là-bas, vous ne les voyez pas. Non, je vais vous donner un pointeur, c'est tout. Stylé. Voilà. Et on bat. Voilà, donc vous avez une sorte de pointeur. D'accord.
Donc sur la figure 4, par exemple, dans ce projet-là, il est évident qu'on a une espèce de... Bon, je vais expliquer comme ça. Il y a une espèce d'axe nord-sud, un quart d'eau comme ça, qui va du nord au sud, de la plaine vers la mer, qui organise un village autour duquel se trouvent les résidences. Et on a quelques bâtiments singuliers, par exemple le théâtre en plein air, ce que j'ai appelé le petit rectangle là, pas mon acropole. On a quelques points verticaux qui sont des bâtiments singuliers qui viennent apporter de la densité au projet. Et tous les alignements ne sont pas stricts. Il y en a qui sont très dessinés, il y en a qui sont suggérés. Par contre, il y a un dessin d'espace public, de rue, de piéton, de ruelle, la figure 2, qui lui est hyper dessiné sur le croquis en bas. Et ça donne une espèce de plan masse qui a l'air décousu, mais qui est en même temps un fragment d'une ville dessinée à la 19e siècle, mais en même temps un fragment de grand ensemble. Et c'est un peu la leçon que j'ai cru comprendre de Pouillon quand il dessine Dier Saada ou Dier Mahsoul ou des choses comme ça. C'est qu'en même temps, on peut, avec le même type d'espace public, redessiner une ville du 19e. Mais en même temps, quand il enlève les bâtiments ou les masses du 19e, il repose quelques éléments légers de bâtiments qui sont des blocs et il arrive un peu à fabriquer une modernité avec un soubassement classique. Une idée de la silhouette, et là encore c'est la leçon de Pouillon, c'est-à-dire qu'un projet se dessine par rapport à un paysage, il ne se dessine pas dans l'absolu, c'est-à-dire que souvent la réponse... Et dans le site indique une échelle. Et cette échelle-là donne après l'échelle des éléments du projet. Après, l'autre souci aussi, c'est qu'une fois qu'on a commencé à fabriquer ces dispositifs urbains, il faut aussi fabriquer les petites parties qui constituent ce dispositif urbain. Et la logique qu'il y a dans le travail de l'espace public se retrouve aussi dans le travail des espaces semi-publics et semi-privés. Ça, c'était les images du projet qu'on avait dessiné à l'époque. Et donc, la référence est évidente. Je veux dire, je ne m'en cache pas du tout sur cette histoire d'avoir des murs blancs, des mouches à rabier, d'avoir des espèces de perspectives vers la mer ou alors des perspectives vers la plaine, un travail sur les escaliers, un travail sur les soubassements, un travail sur la végétation, un travail sur la partie... On a quelques petits programmes comme ça. Kemahadaya, c'est la partie appart-hôtel un peu cossue. Donc... La référence d'allier modernité et pittoresque est évidente et je n'ai pas la force ni la légèreté de l'être de Pouillon de dessiner des arcades et de poser des choses compliquées. J'essaye d'être sensuel avec des angles droits, ce qui n'est pas très facile. Voilà, le théâtre qui descend vers la mer et les éléments verticaux où on devrait mettre les bachaos en hauteur, mais qui constituent des espèces de pointeurs comme les pointeurs de l'ordinateur qui donnent une espèce d'échelle à un petit programme. Le plan masse en définitive, qui obéit à un certain nombre de contraintes qui étaient là avant le projet, mais qui, voilà, on a une espèce de travail très dense ici, mais qui se relâche de ce côté-là. Ici, c'est des villas en R-1, mon acropole à moi, le petit minaret. Voilà, mon acropole à moi. Ça, je l'avais posté il y a quelque temps. Juste pour dire que ça, c'est un petit espace café avec un mosala. Et s'il est dessiné sous forme d'acropole, c'est que je crois aussi que l'Algérie doit s'inscrire dans la Méditerranée. Et tout comme Pouillon est allé chercher Venise, je suis allé chercher l'acropole. Après, évidemment que le maître d'ouvrage ne s'en est rendu compte qu'une fois que c'était construit, c'est toujours pratique, je veux dire, on n'explique pas tout. Et une fois que c'est construit, il m'a dit « Hanan khalsouk bish tibnina l'farah ». Voilà. Mais comme ça représentait 0,005% de la masse de béton qui était là-bas, donc c'est passé. Mais parfois, il faut savoir mentir, et je crois que Pouillon était un grand menteur, mais pour l'intérêt commun. Et donc, cette acropole-là, qui devient un petit peu, pas le symbole du projet, mais une espèce d'ancrage de ce projet dans une histoire qui est méditerranéenne et qui ne va pas chercher uniquement dans l'histoire locale. Et je pense que ça donnera un chouette espace de faire la prière dans un endroit comme ça. Alors, pour faire la prière dans une acropole, il faut veiller à l'orientation de la Qibla. Ça aussi, c'est un problème, l'orientation de la Qibla. On voit sur le plan
avec le petit décalage de 3 ou 4 degrés, c'est entre l'est géographique et l'est. Et ça fait raconter des petites histoires sur des éléments comme ça. Prier dans une acropole, ça devient un vrai sujet d'architecture. Voilà, le projet commence à sortir un peu. Donc on avait imaginé des espèces de jetées comme ça, et qui vont capter le ciel, c'est-à-dire qu'on offre un cadrage du ciel de 5 par 5. Il y en a dans tout le vide Hedek, il y a le cadrage, ce qu'on offre comme image. À droite, vous avez l'image du concours, et à gauche, ce qui est en train de se réaliser. Et cette idée qu'on peut capter le ciel dans une fenêtre de 5 par 5, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée à Diane Marsol chez Pouillon, quand il pose l'espèce de grande ouverture sur le bâtiment qui donne sur l'esplanade, et qu'on a toute la Méditerranée et tout Alger qui est pris dans une petite ouverture qui fait 3 niveaux sur 5. Hadi, c'est juste une photo pour rendre un petit coucou à mon chef de chantier sur place, mais bon, on voit un petit peu que ça, c'est pendant la période de génie civil. Et une des autres problématiques qu'on a eu ça, c'est que comment offrir la vue sur la mer à tout le monde? Comment est-ce que les bâtiments négocient entre eux? Ce que vous voyez en bas, là, la série en parking, là, c'est les villas les plus chères, mais elles sont enterrées. On ne les voit pas. Il va y avoir une espèce de terrasse-jardin par-dessus. C'est comment est-ce que, dans une composition d'ensemble, il y a des bâtiments qui doivent négocier avec d'autres, il y en a qui doivent, j'allais dire, laisser la priorité, et comment ces choses-là se négocient. Et c'est un peu ce que fait aussi réussir admirablement Pouillon dans ces cités, c'est que chaque bâtiment a un rôle à jouer. Ils n'ont pas des rôles homogènes. Il y a des bâtiments qui doivent s'effacer devant d'autres, il y a des bâtiments qui doivent exister avant d'autres, et c'est l'espèce de composition, de partition générale qui est intéressante. Ces projets, ce n'est pas la somme de bâtiments. C'est une espèce de partition dans laquelle chaque bâtiment a un rôle très précis à jouer. Et Mélim l'a montré ce matin dans son histoire de rabaisser un niveau pour rapprocher le point de fuite. Ça, c'est génial. Je veux dire, c'est juste... Mon acropole en avant-plan. Là, ça commence à sortir. On est dans les phases maçonnerie. On commence à découvrir un petit peu l'architecture. Et on essaye de sauver ce qu'on peut sauver, c'est pas toujours évident, mais je suis assez content du résultat. Voilà, une espèce de rigueur, de modernité qui va chercher aussi bien une architecture vernaculaire, mais dessinée de manière dessinée au cours d'eau, avec une recherche d'échelle. Aller chercher le ciel, faire descendre le ciel, c'est quelque chose qui était assez important chez Pouillon, et puis surtout chez un autre architecte que j'admire beaucoup, qui est Henri Siriani, ce rapport au ciel. Et dans notre pays où il fait beau 9 mois sur 12, ce rapport au ciel doit nous guider dans tout travail qu'on a quand on fait un bâtiment. Une vue générale. Ça, c'est l'espèce de théâtre qui s'enfonce dans la colline, et puis ce rapport au paysage. Et voilà. Une espèce d'hommage appuyé à ce monsieur-là qui m'a fait prendre conscience qu'un mur blanc, une ombre et un ciel bleu, du moins pour l'Algérie, suffisait à faire de l'architecture. Et après, je me suis posé par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, maintenant que j'ai cherché moi aussi, je me suis rappelé que cette question d'architecture, je me l'étais posée la première fois que je devais afficher un projet d'architecture. C'était en février 87 et j'avais écrit « Plus qu'un projet d'architecture, c'est le projet d'une architecture qui nous intéresse ». Et je pense que 30 ans après, le problème se pose toujours. Que les conditions de fabrication de l'architecture ne doivent pas être uniquement idéologiques. Je veux dire, on n'est pas dans les constantes nationales. L'architecture, les constantes nationales ne suffisent pas à fabriquer de l'architecture. Pouillon a fabriqué une architecture de territoire, et c'est une architecture qui, apparemment, nous l'avons adoptée, et qui fait partie de notre patrimoine, alors qu'il est allé chercher ses références dans toute la Méditerranée, voire en Perse. Ce qui veut dire que ce qui peut constituer une architecture, c'est plus une capacité de comprendre le monde et une capacité de se projeter dans le monde.
se refermer sur une espèce d'idéologie ou de signes qui sont locaux ne suffit pas. Je pense que l'architecture, c'est d'abord une ouverture. Et donc je dis et je l'affirme, l'architecture n'est pas nationaliste. Je dirais, il n'existe pas d'architecture nationaliste. Elle doit être territoriale, régionaliste. J'ai hésité entre régional et régionaliste. Après, je me suis dit, allez, pas pour régionaliste. Contextuelle et certainement moderne. Et je me suis posé la question, où est-ce qu'elle est la leçon de Pouillon dans l'octroi du prix national d'architecture 2007 à ce type de projet? C'est-à-dire que tout le discours que nous développons et qu'on arrive en 2017, je crois que c'est le prix 2017, à considérer que ce qui peut symboliser le mieux l'architecture algérienne ou le summum de l'architecture algérienne, c'est ce type d'écriture, me pose un véritable problème. Et donc, je terminerai avec ça. Voilà. Je vous remercie. Le métier d'un architecte, c'est de rendre heureux le maximum de gens. Ce n'est pas pour faire ni un hôpital ni un musée. Ça, c'est des opérations techniques qui ne me dérangent pas que ce soit un étranger qui les fasse. Ce qui fait la ville, 30, 40, 50% de la ville, c'est le logement, c'est la rue, c'est le commerce, c'est l'impasse, c'est ça. Ça, c'est notre boulot à nous. Après, qu'Alger, il lui faille de grandes signatures, peut-être, mais je pense qu'Alger est beaucoup plus grande que beaucoup de signatures. Que sur Alger, à la limite, on a besoin de quelqu'un qui soit suffisamment humble pour comprendre comment ça se passe et comment poser son bâtiment de la manière la plus discrète possible, la plus présente, mais en même temps, presque Alger n'a pas besoin de signature. Ce qu'a démontré Pouillon dans son travail, c'est-à-dire qu'il pose des bâtiments qui finissent par être ordinaires. Et cette espèce d'inversion des valeurs par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, de la conception qu'on a d'un grand projet, d'un grand architecte, je crois qu'on a la chance unique à Alger de ne pas nous poser ce genre de questions. Je veux dire, sur Paris, quand tu as hauteur 33 mètres, quand tu arrives dans un endroit, il faut que tu gesticules pour que tu apparaisses. À Alger, le site est tellement présent et les solutions d'architecture, on a un répertoire de solutions d'architecture qui vont du 19e jusqu'aux années 50, qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher des solutions extravagantes. Il nous faut juste regarder, comprendre et faire. Et on a les solutions, elles sont là. Là où je me remets un petit peu à pousser un peu l'université, ce qui est valable pour Alger, valable pour Oran, et valable pour Biskra, et valable, et valable, et valable, c'est qu'une ville comme Alger devrait pouvoir servir à l'enseignement de la première à la cinquième année. Et si on arrive à fabriquer une conscience algéroise de ce que c'est qu'Alger, tu vas fabriquer des architectes qui regardent Alger différemment et qui remettent les valeurs de ce que peut être l'architecture différemment, juste parce qu'ils sont à Alger, ou le gars de Constantine parce qu'il est à Constantine, ou le gars d'Oran parce qu'il est à Oran. Je pense qu'il faut qu'on inverse un petit peu le sens des valeurs, de ce qui est communément lancé dans les revues d'architecture, dans les Facebook et tout. J'ai vu le projet qu'a dessiné Portzamparc pour le Parlement. C'est rien. Le même posé sur la colline à Rio de Janeiro, oui. Venir poser une architecture comme ça sur Alger, c'est passer à côté d'Alger. Parce qu'Alger, c'est une puissance incroyable, je veux dire. C'est pas un site comme les autres. On a cette chance-là d'être dans une situation de pouvoir fabriquer une architecture de territoire qui n'a pas besoin de gesticulation, qui a besoin juste de la bonne échelle, mais on est encore emprisonné par un certain nombre de réflexes qu'on a dans l'enseignement, qu'on a dans notre manière de regarder l'architecture, de regarder le star system. Enfin, l'archéologie, elle est là. Je veux dire, on a une chance d'être des architectes bien dans notre peau juste parce que c'est Alger. Le Constantinois, juste parce que c'est Constantine. Et l'Oranais, juste parce que c'est Oran. Il faut juste, un, se décomplexer, deux, poser un regard, et trois, commencer à fabriquer, comprendre le puzzle, comment il fonctionne, et commencer à fabriquer des choses qui soient en rapport avec le site, avec la situation, avec les besoins, avec l'économie. Tu n'as pas besoin d'avoir 3000 euros du mètre carré pour faire de l'architecture. Hein, je veux dire, le problème n'est pas là.
Mais un abri souverain, ce n'est pas seulement du logement. C'est un lieu qui permet à la personne de s'épanouir le plus possible. C'est un lieu qui permet à la société de s'épanouir le plus possible. Et cette architecture, elle devient une architecture dans laquelle on peut se reconnaître et du coup dans laquelle on peut s'identifier soi-même. Donc dans l'identité, il y a des allers-retours qui sont toujours extraordinaires entre l'identité de l'architecte, l'identité de l'architecture créée et l'identité de l'usager qui, elle existe bien aussi. Donc il y a une conjonction à trouver. Et je trouve que, je n'avais encore jamais travaillé là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant de se demander comment ça fonctionne finalement, cette rencontre qui est juste, à un endroit juste. Alors, je dirais que, plus encore, Fernand Pouillon, lui, a toujours fait en sorte que la nature du programme soit tout de suite identifiable par l'usager. C'est un des points constants de son architecture, c'est de ne pas perdre l'usager, le citoyen, dans une architecture dans laquelle on ne reconnaît rien. Et ça aussi, ça participe de ces repères de sociétaux qu'un architecte peut donner dans la ville ou dans le paysage. Alors, ces repères, tout en étant des éléments remarquables du paysage, ils se retrouvent de fait des facteurs d'unité pour tous. Ce sont des facteurs communs que tout le monde... Ce sont des repères communs à tout le monde. Ça aussi, c'est une façon de créer la ville, de créer des morceaux de ville qui fonctionnent. Parce que je réfléchissais aux moyens de cette identité, comment ça pouvait marcher. Donc, ce que je vous dis là, c'est des petits morceaux de réflexion. Alors, je voudrais ajouter sûrement qu'il n'est pas question de bannir l'architecture internationale, mais peut-être faut-il choisir les lieux où on l'a bâti et les programmes pour lesquels on l'a bâti. Par exemple, quand Fernand Pouillon a construit l'hôtel Sébouze à Annaba, il a choisi une architecture internationale parce que c'était un hôtel dédié aux hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires, comme tout le monde sait, ce qui compte, c'est la rationalisation. Et donc, il y a peut-être effectivement des choix particuliers, des moments particuliers et des lieux particuliers pour cette architecture. Et évidemment aussi, je veux dire que le propos n'est pas non plus de dire que l'architecture ne doit pas être contemporaine. Je dirais bien au contraire. Les clés de la durabilité de l'architecture, c'est qu'elle fonctionne déjà pour les gens d'aujourd'hui, et c'est déjà la promesse peut-être qu'elle va tenir pour demain. Et cette architecture-là, elle doit parfois même un peu anticiper sur les développements et les comportements sociétaux. Donc elle doit aussi être contemporaine. C'est ça la difficulté aussi de donner des identités qui datent de millénaires, qui sont de l'inconscient collectif, et pourtant pour l'usager d'aujourd'hui. Alors, pour chaque œuvre de Fernand Pouillon, qu'elle soit de construction neuve, de restauration, de rénovation, de reconstruction, leur contemporanéité, elle est indéniable. Quand on va, que ce soit, j'en sais rien, on va à Climat de France, on va dans le château de Belcastel médiéval, on comprend bien que ces œuvres-là ne sont pas anciennes et qu'elles ne datent même pas du 19e et qu'elles sont résolument du 20e, et elle pourrait même être d'aujourd'hui sans que l'architecte puisse en avoir honte. Alors, c'est une identité qui est propre déjà chez Fernand Pouillon, mais pour reprendre le débat de tout à l'heure, ça prouve que c'est tout à fait possible d'avoir une architecture contemporaine et internationale et de créer quand même une identité. Alors, souvent, chez Fernand Pouillon, cette architecture, non seulement elle correspond au lieu, mais elle le transcende. La volumétrie, les matériaux, les proportions, le positionnement même des édifices, l'urbanisme, sont justes et appropriés, où que ce soit, et pour n'importe quel ouvrage. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que c'est vrai aussi bien pour son œuvre en France que son œuvre en Algérie. Alors, Fernand Pouillon, il a été tout de suite fasciné par l'Algérie. Il y a tout de suite installé sa maison, tout de suite installé son agence, et avant même l'indépendance, il s'est converti à l'islam. Donc c'est réellement un attachement extrêmement profond. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il est arrivé très vite et très brutalement finalement à Alger pour construire les cités de logement, et immédiatement, dans les formes de son architecture et de son urbanisme, il introduit déjà des éléments de la culture algérienne, pas de la culture française en Algérie, mais de la culture algérienne.
dans les premiers ensembles de Saada et Massoul, par exemple, en 1953, ont tout de suite comporté des éléments d'architecture et des formes arabo-berbères, même pour les parties dédiées seulement aux Européens. Ce que je veux dire, c'est qu'il a cherché... Bienvenue, monsieur le ministre. Alors, il a tout de suite décidé de pour les complexes, y compris pour les complexes touristiques, les hôtels après l'indépendance, il a décidé de faire connaître à ces touristes étrangers et de les faire vivre dans des formes et des éléments d'architecture contemporaine, mais arabo-berbère et musulmane. Et ici, c'est un exemple incroyablement particulier à mes yeux d'avoir tenté et réussi, de mon point de vue, la jonction contemporaine d'une société musulmane, arabo-berbère, dont les racines avaient été détruites par la colonisation, avec une société nouvelle sans repère au sortir de la guerre d'indépendance, avec tout à reconstruire, et lui-même montre aux étrangers qui viennent une architecture qui a toutes les caractéristiques contemporaines, mais dont toute la filiation saute aux yeux. Elle est celle de l'Algérie d'avant 1830, celle de l'Algérie qui baigne dans la culture de tout le Maghreb, de la Méditerranée, de sa religion, et c'est une filiation qui l'amène à s'aventurer dans les terrains andalous, dans les terrains orientaux de l'Iran, etc., et de s'avancer aussi jusque dans les terres de l'Afrique, dans les sources même d'inspiration. Donc, pour moi, cette œuvre algérienne, elle est seule d'un architecte qui respectait profondément toutes les cultures, au point de les faire siennes. Et je ne sais pas si vous allez trouver que j'exagère, peut-être, mais vous me le direz, parce que cette œuvre, c'est la vôtre. Hein. Mais il a conçu son œuvre comme si lui-même, au sortir de l'indépendance, il avait été un Algérien qui aurait enjambé l'histoire à rebours, et pour ses compatriotes et son pays, qui aurait ramené ses racines dans le temps présent et qui aurait su arranger les formes et les matériaux pour les hommes, pour les Algériens indépendants. Et à mon avis, c'est la clé de l'identité à construire, c'est d'aimer l'homme contemporain, d'aimer sa culture, de comprendre d'où il vient, parce que comprendre d'où il vient éclaire beaucoup sur les mentalités d'aujourd'hui et sur l'anticipation de ce qu'il va avoir envie de faire et de se servir des matériaux d'une façon adéquate et de se servir le plus possible des matériaux qui sont possibles à utiliser aujourd'hui et de ne pas les regarder comme des éléments du passé. Il y a des matériaux qui ne peuvent plus servir, peut-être, mais il y en a beaucoup qui peuvent servir encore et qui peuvent se marier avec un bonheur fou avec les matériaux contemporains et les formes contemporaines. Voilà, je crois que c'est en tout cas, je trouve que votre thème de travail était vraiment passionnant et je pense que il faut y travailler. Vraiment, je trouve que ça ouvre d'autres perspectives. Merci beaucoup. والآن ندعو رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين السيد مصطفى تيبورتين لإلقاء الكلمة. شكرا. Je vais me permettre de rebondir sur les ateliers qui ont été les ateliers de travail qui ont été organisés le barah à l'hôtel New Day. Donc il y avait eu deux ateliers. واحد concernant la réglementation de la commande privée et le deuxième c'est concernant les cahiers des charges et l'accès à la commande publique. Pour le premier, alhamdoulillah, نقدروا نقولوا بلي c'était positif ou inchallah تكون تجاوب تاع الوزاره. D'ailleurs, كاين تجاوب inchallah نوصلوا la finalité اللي هو la réglementation de la commande privée avec l'obligation de contrat. Pour le deuxième atelier, malheureusement, c'est-à-dire les architectes, les mohandis et ma'marines, moustaïn, mais notre dafater, chourout, avec des conditions, je dirais même éliminatoires. Nous avons une thiqa tamma,
بالسيد وزير السكن والعمران المدينة أنه راح يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وكل الاقتراحات التي تخص هذا دفاتر الشروط من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهندسين المعماريين في فرض إبداعاتهم على مستوى sur le plan de la conception architecturale des projets futurs. Donc, on a taklim bzaf bzaf ala Sayed Wazir bach yhez en considération hadi les recommandations qui vont être transmises au ministère dans la semaine et d'une manière officielle. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. والآن يتفضل معالي وزير السكن والعمران والمدينة سيد عبد الوحيد تمار لإرقاء الكلمة. يتفضل مشكور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc par respect à notre invité, je vais parler en français. D'abord, je vous encourage pour cette belle journée. J'aurais souhaité assister avec vous, mais on avait un conseil interministériel concernant la rentrée scolaire. Je dois partir à Constantine parce qu'on a une visite de Constantine. Mais j'ai suivi un peu les travaux de loin puisque le ministère était présent avec vous au cours de la journée. Moi, je vous encourage à faire plusieurs rencontres comme ça, par thème. Parce qu'on ne peut pas traiter, faire une rencontre, tous les sujets. On est très en retard. Vraiment, c'est l'organisation qui est très en retard en matière d'organisation, en matière de vision, en matière de traitement des dossiers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager. Il faut commencer. La commande publique, la commande privée, ça fait 4 ans qu'on en parle. Depuis que j'étais DG, 4 ans, on en parle, on n'a pas avancé. Et tout le monde se plaint de la commande privée. C'est un plan de charge en plus. Mais de l'autre côté, on organise un secteur qui échappe à tout contrôle. Donc là, je le dis à M. Turboutine, je l'encourage, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Je ne sais pas comment on va s'organiser, un groupe de travail, mais il ne faut pas se coincer dans les détails. Avec l'ordre des architectes, le problème, c'est qu'on est toujours bloqué avec un détail. Il faut dépasser le détail, régler le plus important, et on revient au détail. Sinon, on ne va rien faire. On va rester dans les conflits, on va rester dans les reproches, on ne va rien faire. C'est une occasion, c'est une chance. Donc je vous dis, il faut aller très loin. Il ne faut pas s'accrocher à un point, si on n'est pas on est d'accord, on le laisse de côté, on peut avancer et revenir. Moi je pense que pour la commande privée, c'est très important, d'abord du point de vue sécurité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait le privé, mis à part la promotion immobilière, qui est un peu... Mais le reste, l'architecte dans cette affaire, où est-ce qu'il est? Peut-être mis à part le cachet pour avoir le dossier de permis de construire, après... Rien. Il n'y a ni suivi, ni conformité, ni. Et puis, avec la masse de construction, ça constitue un plan de charge, je pense, énorme. Ne serait-ce que pour les architectes qui débutent. Et nous, ça nous permet d'avoir le contrôle. Parce que dans un des ateliers sur lequel l'équipe travaille, il n'y a pas de contrôle en matière d'architecture. Il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce qu'on a comme inspecteur? Rien. Je suis en train de réfléchir pour aller peut-être concéder la mission de contrôle. On ne peut pas la faire. Avec 5 inspecteurs à Alger, 2 à Oran, 0 inspecteur à Betna, qui va contrôler? Donc il faut peut-être aller plus loin pour voir comment travailler. Mais déjà, c'est en cas de la commande privée. Il y a un architecte qui a fait la conception dans le cadre d'un contrat. C'est lui qui fait le suivi jusqu'à l'aboutissement de cette cas de conformité. C'est déjà une bonne manière pour faire un contrôle. Et on a un interlocuteur avec qui on parle. Maintenant, on ne sait pas avec qui parler. Ça, c'est un dossier, on en a parlé plusieurs fois. Je pense qu'il faut constituer une équipe. Ils travaillent. Il faut aller très, très, très loin. J'ai parlé de permis de construire électronique. Ça, c'est pour vous, d'abord. Parce que l'EDARA, elle donne un permis, hein, quel que soit X, elle va donner le permis. Mais c'est le moment d'introduire quelque chose de nouveau. Travailler à distance. Bon, j'ai fait les premières simulations, c'est bon, que ce soit pour les architectes. Je défends, même s'ils ne sont pas, on défend nos partenaires, qui sont les ingénieurs.
C'est un partenaire important. Nous défendons aussi le géomètre. Sans le géomètre, sans les ingénieurs, on ne peut pas construire. Là aussi, il y a un travail. Je pense avec l'ordre des architectes, il faut aller très loin dans le permis de construire électronique et tous les actes. Mais commençons par le permis de construire, plus les ingénieurs, on avait la démonstration avec CTC, le même traitement, à distance avec CTC. On a fait les simulations, je vais passer au siège de CTC pour voir et lancer officiellement les traitements, les papiers, les temps de papier pour traiter un dossier de génie civil qui coûte. Mais là aussi, il faut travailler. Après la commande privée, il faut travailler sur le contrat avec l'ingénieur. On ne travaille pas avec le contrat. On vous taxe, les architectes, ils veulent prendre tout. Les ingénieurs sont... Chacun fait son travail dans le cadre d'un contrat. Il faut qu'on s'organise avec l'architecte, l'ingénieur et les géomètres et même les autres métiers. L'ingénieur en électricité, l'ingénieur en hydraulique. Il faut qu'on arrivera un jour à créer ce fameux bureau d'études pour être concurrent. On ne peut pas rester comme ça. On en a parlé, peut-être ce n'est pas le moment, mais il faut réfléchir. Comment constitue le bureau d'études pluridisciplinaire? Si on veut faire la concurrence avec les étrangers, il faut qu'on constitue une force. Et chacun fait son travail. Ça, c'est un grand chantier sur lequel je reviendrai, parce que nous avons les Chinois, nous avons les Français, on a un complexe. Ouvrir les portes vers le partenariat. Moi, je ne vois pas de partenariat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le partenariat? Moi, je peux inviter les architectes que vous voulez, les grands bureaux d'études. Mais de l'autre côté, il faut qu'on est prêt à se décarcasser pour batailler pour le partenariat. C'est comme ça qu'on va évoluer avec les ouvrages. Ça, je pense que c'est un grand chantier. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être pour chaque fois, pour ne pas alourdir les journées, travailler par thème. D'une demi-journée. On est présent avec vous, même si je ne suis pas présent, il y a la direction générale, il y a les architectes qui sont avec vous, on peut avancer. Pour les cahiers de charge, moi je pense, là je ne veux même pas discuter. Si vous avez un cahier de charge, ça c'est on peut le régler la semaine. Avec l'ADL, avec n'importe quel aide, travailler, quelles sont ces contraintes? C'est quoi l'ADL? C'est nous, c'est vous. Mais moi j'ai horreur du monopole. Et je le dis. Quand j'ai trouvé dans le fichier un bureau d'études, un de 36 000 logements. 36 000 logements. Est-ce qu'un bureau d'études qui a les moyens pour faire 36 000 logements? Mais personne n'en parle. Personne. J'ai trouvé, parce que j'ai fait le fichier des bureaux d'études, j'ai trouvé un bureau d'études de 36 000 logements pendant des années. Ça n'a pas été dénoncé. Parce que tout le monde, il a la petite croûte, si ça marche pour moi, je m'en fous. Il faut qu'on enlève. Je suis ministre de tout le monde. Mais quand il y a... On n'a même pas pu savoir son nom. Et j'ai demandé à Thibautier, mais quand je dis le bureau d'études de l'Achor, dis le nom de l'architecte. Même flagrément, le nom de l'architecte. On bat le bureau d'études, je ne vais pas citer le bureau d'études, fantôme, maintenant on ne sait pas. Quand on sait, on est le bureau d'études. Qu'est-ce que le bureau d'études? On bat le mec avec l'information. Donc c'est à vous, quand vous faites la mise à jour de la mise à jour, d'abord c'est la personne. C'est un groupement. Ce n'est pas interdit. Plus architectes, ils se forment, ils créent, ou là, trois architectes, ils créent un grand bureau d'études. On veut limiter le monopole. Mais un bureau d'études, quel est le minimum pour qu'il puisse travailler? Moi, je ne sais pas. Si c'est 300 logements, vous me dites. Si c'est 400 logements, vous me dites. Si c'est 50 logements, vous me dites. Et on va partager, il faut que tout le monde travaille. Au moins avec le secteur. Nous avons l'ADN, nous avons le LPA, même le LPA, j'ai demandé aux promoteurs de faire de la consultation. Mais qu'est-ce que le bureau d'études m'a? Vous faites une consultation. Un, j'ai la garantie de voir une petite concurrence. On a exigé au minimum, je pense, 5 bureaux d'études. 5 bureaux d'études. Et quand même, une consultation de 5 bureaux d'études. D'abord, il n'y a pas de monopole. On bat quel fichier? L'IKDEM, c'est-à-dire le minimum exigé par année, il laisse la place à... Tu dis ici, 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 tu dis ici. Ça, on peut travailler. On est prêt. On a un intérêt en tant que ministère. Mais aussi, vous avez un intérêt. Là, il faut travailler. Je lui ai demandé à Sitir Boutine de me dire quel est le minimum. Bien sûr, il ne faut pas lui donner un plan de charge à 2 mois, 3 mois. Au moins, on boucle une année. Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir.
C'est comme ça que je le mettrai dans le cahier de charge. C'est ça qui m'aide. Maintenant, le cahier de charge, le reste, je ne sais pas si c'est contrainte. Si il y a vous travaillez la semaine, produisez un cahier de charge type, on l'approuve. Il n'y a aucun problème. Troisième chose, je suis en train de faire les visites. Quand tu fais Adrar, on va à Santayna, on va à Biskra, on va à Santayna, on va à Biskra. L'architecture, c'est la même. La Biskra, c'est le Beb Zouar. C'est l'ordre du ministre. J'ai trouvé des architectes là-bas. Regardez, les la plan de charge. J'aurais souhaité une chauffe Biskra, une belle architecture de Biskra. C'est peut-être Adrar, relativement, j'étais un peu content sur l'aspect, mais très mécontent sur le suivi. Rien, aucun suivi. Pourtant, la quête présidente je lui fais la remarque, c'est moi. Fais Bourge, Bazim Khtar. C'était des architectes, des jeunes architectes, mais aucun suivi. Rez-de-chaussée. Mais c'est pas possible. Voilà l'architecte, voilà le suivi. Et on en parle suivi. Donc, j'exige un peu de la qualité. Rédiger le prix national d'architecture. La madame a qu'à. Et alors, on va donner le prix aux architectes français ou là aux architectes. C'est à nous de le faire. Donc, j'exige qu'il y ait de l'autre côté, Saha, Nigouta, Tiboutine, un architecte, il y a eu les plans de charge. Vous avez maintenant une idée, une très bonne idée, monsieur le ministre, plan de charge. Oui, d'accord, il faut que l'architecte est riche, ou à l'aise. Mais de l'autre côté, je demande, je suis à production, y compris Jamia, rien. Aït ma l'épaule, ma canoualo, ma l'chrimaualo, on fait des séminaires, ardef les séminaires, n'chorjem les séminaires, la pratique, ma canoualo. Jusqu'à quand? Ben là, j'ai demandé que la mosquée. Et c'est une construction quand même, c'est très particulier. Tu vois l'isolation, tu vois, chaque les jours les étudiants, quand ils jouent traf l'âme. Je ne vois pas. C'est une école. Comment construire quelque chose de très compliqué? C'est une chance. On a un chantier qui a un siècle. Mais c'était un des nôtres. Et on peut faire des spécialités. Il faut jamais dire réhabilitation ma cache. Rien. Décoration ma cache. Dans la mosquée, il n'y a pas de décorateur. Mais d'abord, il y a un architecte algérien spécialiste de la décoration. Spécialiste de l'éclairage artistique. On va éclairer un monument. Lyon, toujours, la ville lumière. On ne peut pas produire. Donc, je pense que c'est le moment. Il faut peut-être la quinaire, puis nous avons le cahier de charge, l'élimination. On va vous suivre, c'est un bel homme. Nous allons gérer les urgences. Je veux laisser une trace avec vous. Mais je veux qu'il y ait la volonté. Je défendrai le plan de charge. Le plan de charge, c'est de tout, mais il n'y a pas de. Mais de l'autre côté, je veux qu'il y ait l'innovation. Il faut qu'on avance un peu. On tourne, on sort, on sort. Moi, je suis très optimiste. Mais je veux de votre côté, bureau d'études publiques. C'est ça qui me dérange, j'en ai 4 ou 5 dans les bureaux d'études, on a parlé pendant une année, ou ça m'a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont un plan de charge? Rien. J'ai demandé un plan de charge, rien. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit qu'ils. On revient s'il y a un petit problème. Je suis là pour faciliter la tâche à fond. En écouture boutine, il n'y a aucun problème. Les portes m'hloulines. Mais je veux qu'il y ait des propositions. Laissez-moi hadro l'action terrain. Mais je ne fais pas les papiers. C'est malheureux. Tous les secteurs sont bons. Rien à dire. C'est Azdin ou Spagna. Ça y est. Ou Makash, Lahibla ou Malfinanin. Elfinanin, c'est bon comme du mot. Donc, je voulais profiter de l'occasion. Je n'ai rien préparé. Je pars avec le cœur. Hein. Donc j'espère que le message est au sol. Profitez. Moi je dis profitez. On peut aller très 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 loin. On n'a aucune contrainte. Au niveau du gouvernement, je peux faire passer le message. Je suis en train de battre par les ingénieurs. Je dis l'ordre. Les ingénieurs, l'ordre des ingénieurs.
حتى هما يتخبطوا هكا في المشاكل وبنا بلان شارج وهذا بصح ماشي منظمي معاهم نتكلم لي جيومتر غولاتيفمون بيان اورغانيزي انتوما راح عندكم الاكسبيريونس كومام سنترال وكل ولايه راني نروح ونتكلم مع لي مع لي زارشيتاكت وحاضرين وكنت معايا في ادرا جاني حتى البرج باجي مختار كاين اللي ما يعرفش برج باجي مختار وين جايه سي 10 كيلومتر على المالي كيفاش هذيك لا زون خلوها وحدها عندها ليدونتيتي تاعها عندها التقاليد تاعها عندها 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 لا اوسي الصحراء عندها ستون ايكول وكيفاش نقعدوا هكذا الو كومونسو ا ترافايي بار دوسي لو راس يفو با لاخر تجيني بروبوزيسيون من عندكم جو فو غارونتي تابليكا دي بروبوزيسيون لوجيك حتى حاجه ما تمنعنا لو راست شو سوات كاترين ساير كي تي اون امي ميتنون امي د لالجيري je pense que maintenant on va ouvrir la porte à d'autres aussi. Moi, j'aurais souhaité, la prochaine fois, Oscar Niemeyer, il a laissé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personnalité aussi importante? Ouvrir la porte avec d'autres, même quelques architectes algériens anciens, et essayer de faire à travers ces biens, vous faites la réflexion sur des thèmes et honorer ceux qui ont marqué, même des urbanistes, hein, il ne faut pas se focaliser uniquement. Donc il faut ouvrir la porte à tout le monde. Je vous garantis que le ministère est à votre disposition. On n'a pas d'autre objectif. Si on ne réussit pas, c'est la défaite ou là, c'est tout le monde qui n'a pas réussi. Donc c'est une période, la vie d'un ministère est très courte. Alors profitons pour réaliser beaucoup de choses. Je demande à mon ami Saazdi Mihoubi qui nous dit un peu chouïa sur la culture parce que l'identité, la structure, l'urbanisme, fatalement il y a une relation avec la culture. Ou Zamili ou Hassas le Maudoua, la preuve en a un Diaf, fait un bel ouvrage. Je souhaitais qu'on aura beaucoup d'espace pour travailler, il n'y a pas beaucoup. Et comment réaliser des espaces pareils pour travailler. Et je vous remercie. طبعا انا سعيد لان يكون تكون هذه النخبه حاضره في هذا الموقع الذي يحتضن كثير من النشاطات والفعاليات والندوات التي لها صلة بكثير من الجوانب ومنها الجانب الذي أنتم مهتمون به وأنا أشاطر زميلي سي عبد الوحيد فيما تفضل به نحن نسعى لأن تكون الجزائر جميلة في كل شيء ولعل أبرز شيء يشدنا في زيارتنا لأي بلد لأي مدينة هو العمران هو الذي يبقى في الذاكرة قد يبقى في الذاكرة طبق تشتهيه ولكن الأول ما يشدك هو المطار في المدخل ثم تبدأ تلك الأحياء وتلك الشوارع وتلك والفندق اللي تكون فيه وهذه الأشياء التي نريد نحن أن نحتفظ بها في بلادنا بلدنا جميل يتوفر على كفاءات عالية على قدرات هائلة على خبرات متميزة ولكن نريد الأفضل ربما في قطاعي أنا الذي أديره له صلة مباشرة بما تقومون به في مجال العمران التراثي ترميم التراث مهم جدا أنا لا أعتقد أنكم فقط موجودون كمكاتب دراسات فقط من أجل الأحياء السكنية ومن أجل أشياء أخرى لكن أعتقد أن النصيب الأساس في الثقافة العمرانية يمر عبر الاهتمام بالتراث بالترميم تراثنا نحن دولة لنا تاريخ ولنا مدن عتيقة لنا يعني أمامنا القصبة وحدها يعني يمكن أن تأخذ منا 40-50 سنة في ترميمها ولا أظن أننا الآن أصبحنا بحاجة إلى مكاتب الدراسات الأجنبية نحن توفر على عدد هائل وخبرات تراكمت هذه الخبرة التي تحدث عنها هي التي أردناها أن تعوض اللجوء إلى مكاتب الدراسات وأنتم تعرفون وكنتم شركاء لنا
في عدد كبير من العمليات التي مست تلمسان ومست قسنطينة. قسنطينة لحد الآن منذ 3 سنوات ولا 4 سنوات، ونحن الآن نعيش في وضع صعب بسبب اللجوء إلى مكاتب أجنبية، والتشريعات الجزائرية صعبة في التعامل مع مكاتب مختلطة. ما زالت كثير من المشاريع معلقة بسبب لجوء بعض المكاتب الجزائرية إلى التعامل مع مكاتب أجنبية، وهذا تسبب في تعطيل كبير في ترميم كثير من معالم هذه المدينة التاريخية وهي قسنطينة. لهذا فإن العمل الذي قمنا به، ونأمل أيضا أن نجد منكم الدعم والمساعدة والمساندة، هو إضافة إلى ما تقومون به، يجب أن تتوفر على الجانب الأساس أيضا فيما يعنينا نحن، وهو أن يكون لكم اختصاص في ترميم المواقع التراثية. يعني عندنا مواقع كثيرة، بعض المواقع راهي حبسة في مدن كثيرة، لأننا لا نملك الآن سوى 92 مكتب مختص بالعمران التراثي. كانوا عندنا حوالي 60، زدنا أضفنا لهم قرابة 28 مؤخرا، وما زال راح نضيف أقل من 30 مكاتب أخرى ستعتمد. إذن الاعتمادات نحن نمكن أصحاب الذين تتوفر فيهم الشروط. الشروط الآن أصبحت مرنة، الشروط ما عادش معقدة، ولكن نريد أن يكون الاختصاص، لأننا لا نريد فقط، أنا شخصيا على قناعتي أننا، والآن وهذه يشاطرني فيها أخي عبد الوحيد في هذا المجال، هو أننا نريد أن الخبرة الجزائرية هي التي تأخذ مكانها في كل المواقع. الآن يجب أن ثقافة الجزائر أن تعم في كل موقع، إلا ما ندر وإلا ما كانت هناك ضرورة للجوء. نحن نثق كثيرا في الخبرة الجزائرية، في الذكاء الجزائري، في التفوق الجزائري في هذا المجال. والمناسبة أيضا اسمحوا لي أن أتحدث عن فيرلون بويون، طبعا اللي هو علامة متميزة ومدرسة وترك بصمة كبيرة في المعمار الجزائري. ونحن الآن سنعمل مع قطاع وزارة السياحة باعتبار أن عدد كبير من المشاريع التي أنجزها فنادق وغيرها، رانا راح نعمل على أن تعد ملفات لتصنيفها هذه كمواقع أثرية متميزة ومعمارية متميزة، على الأقل تصنف على المستوى الوطني، الكلاسيفيكاسيون خاصة بليزوتيل هذو كامل. فهذه شيء مهم، وهذا الدليل باللي أن الأشياء المتميزة والأشياء اللي عندها خصوصية يجب أن نحافظ عليها. والترميم اللي قامت به وزارة السياحة لعدد من 3 أو 4 فنادق كبرى في هذا المجال حافظت على الطابع المعماري دون أن تمس بروح هذا المعمار. إذن فبالتالي عملنا احنا وعملكم أنتم فيه تكامل كبير. لهذا فإننا موجودون دائما مع زميلي سي عبد الوحيد، دائما عندنا هذا التواصل، عندنا المشروع اللي تفضل به وهو الجامع الأعظم هذا اللي هو مفخرة الجزائر الآن، فعلا مشروع مدرسة، مشروع يمكن أن يكون يعني محل يعني دورات تكوين وتعريف. لما تدخل إلى مثل هذا المبنى الصرح المجمع الكبير هذا بهذا الإنجاز يعني خارق، يعني قلما تعثر عليه في بلد، أعتقد أنها فرصة أمام هذا الجيل ليستفيد، لأن هذا في مرحلة الإنجاز نتاعه، وأعتقد أنكم ستستفيدون كثيرا. النقاط التي أثارها سي تيبورتين أنا تثار عندي أيضا من قطاعات أخرى طبيعي، لكن أعتقد أن الذي يعنينا كثيرا هو أننا نعمل بواحد الحكمة، فيها واحد الحكمة مهمة نحب دائما نقولها. يقول لك دائما فكر في الغد، لأن الأمس انتهى واليوم أوشك أن ينتهي. لازم ديما التفكير تاعنا يكون فيما سيكون لا فيما كان. لهذا التغيير يكون في صيرورة، في الحركة. ما قال الإنسان إذا ما تغيرتش هذه الأمور ما نمشيش. لا،
أمشي وغير أمشي وغير وبالتالي فهذا الشيء اللي رانا نرمي إليه جميعا. كلنا رانا نعمل بهذه المنهجية وهذه الرؤية. أنتم شركاء أساسيين، شركاء لقطاع السكن، شركاء لقطاع الثقافة، شركاء لكثير من القطاعات، وبالتالي فلا يمكن لأي قطاع أن يتنازل عن دور أساسي تقومون به. نحن نحتاجكم ونوفر لكم ما أمكن، إذن كونوا كما تأملون وكما نأمل. شكرا وبالتوفيق. نشكر معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي. والآن نطلب من رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين السيد مصطفى تيبورتين بالتفضل رفقة معالي وزير السكن ومعالي وزير الثقافة بغية تكريم السيدة كاترين سيان.